que je joue pas mal aux Gardiens de la Galaxie en ce moment et parfois j'oublie de leur mettre à charger. Donc c'est bon, on a l'air bien. Ah oui, j'ai oublié de faire un truc un petit peu essentiel. J'ai oublié de mettre le son du jeu. Voilà. Et nous revoici sur GTA 3. Alors, souvenez-vous, la dernière fois, on avait été un petit peu. On avait dû subir. Oh, ce bruit de. Ce bruit pas du tout remastered. On avait dû. Comment dire. Échapper à la mafia à laquelle on travaillait. Parce qu'en fait, le grand padre a essayé de nous assassiner. Puisqu'il pensait qu'on sortait avec sa fille. Alors que c'était pas du tout le cas. C'était un mensonge inventé par sa fille pour faire passer une autre vérité. Du coup, donc, on a dû être aidé un petit peu par une certaine Asuka, et il faut qu'on retourne la voir pour un petit peu régler tout ceci au peigne fin. Là, c'est un peu énervé là, le son du jeu. Hop. La fois, on n'entendait pas grand-chose, après on entend 10 fois trop de tout ce qu'il y a. Ah, genre, le bruit de la pluie, il a l'air assez énervant. Hop. Hop. Voilà, donc on retourne voir cette Asuka pour. Pour démêler tout ça, et donc voilà, nous voici dans la deuxième ville du jeu. Deuxième ville du jeu. Un peu plus, comment dire. Ces quartiers un peu plus. On est clairement sur une inspiration de Manhattan, hein, totalement. C'est bien plus. Quartier des finances, des affaires, tout ça. Il y a même plus de grands buildings. Bon, des gens se tirent encore dessus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai récupéré une. Bon, bah, une arme gratuite, hein, dis pas non. C'est vraiment le bordel. Je me souvenais plus qu'il y avait autant de guérillas gratuites dans le jeu comme ça. C'est vrai que c'était relativement tranquille, j'étais à 3 avec les. C'était mieux à partir de San Andreas, moi, toutes ces bastons là. Oh, c'est chelou, hein. C'est chelou ce qu'ils font quand même. Mais c'est sur moi qui tire en plus. Mais. Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Au secours. Tu te fais vraiment agresser gratuitement, c'est trop bizarre. Oui, ils l'ont tué. Ah non. Oh le bordel. Oh, mais c'est chelou. Pourquoi pas? Cette petite voiture, vraiment, c'est vraiment un carré, quoi. Dans ces petits logements. Hop. Sayonara, Salvatore. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization, but first you must prove to me that your ties with the mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Excusez-moi. Me revoici. Donc, j'aurais juste un truc. On est bon. Voilà, donc il va falloir qu'on aille liquider Salvador. Le scénario prend une autre ampleur. Donc il est là-bas. Donc, peut-être y aller. Non, je crois qu'il faut y aller en bateau de toute façon. Parce qu'on peut pas traverser via le pont.
Bon, attendez, juste un truc. On est good. Sur ce truc, le Julien va faire notre opéra. D'accord. Faut que je fasse gaffe. Faut que je trouve. Alors. Faut bien un endroit safe, parce que c'est quand même très très facile de tomber dans la flotte et de crever. Hein. C'était ses meilleurs bateaux. Hop. Ouf. Est-ce que je peux pas genre monter? Ouais. Quoi? Ok, bizarre. Ah, ok, d'accord. Je vais peut-être essayer de m'en débarrasser avec le sniper. Hein. Alors. Hop, merci. J'emprunte. Hein. Ouf! Aïe. Il y passe? Ok. C'est pas très 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 DMCA. Non, j'ai pas regardé si la première vidéo elle avait été. Il y a eu des strikes énervés dessus. J'avoue que là, il faudrait que je me refasse un petit peu plus de VOD, hein, parce qu'on s'est traîné cette histoire. Hop. Tu t'es fait repérer. Ah merde! Eh, je suis couillon, bah oui, il était juste là, le club. Il faut que je retourne voir Asuka, non? Attends, peut-être si je me casse. Si je me casse, c'est peut-être bon, je sais pas, je vais faire quoi? Oh, il est là le club, il est devant. Va faire quoi du coup? Ah, salut le bébou, ça va? Je joue à GTA 3 et j'ai fait des conneries, je crois. T'as le temps. Ah, il est là! Reviens ici, sac! on s'est fait repérer assez énervé. Ah, salut Manchot, bonsoir, comment vas-tu toi aussi? Écoute, ça va tranquille les gars, merci beaucoup. Hop là, bam! Ouais, mais ils ont tué quelqu'un! Il faut pas tuer les gens! On est où là? Il y a vraiment un problème avec les bruitages sur le jeu. Il se passe quoi ça? Pourquoi un bruit de tir ça fait. Enfin, le remaster de qualité encore. Hop.
Ouais, le bordel. Ouais. Ah, là, on a tout le monde au cul, la police, les mafieux, ils sont tous ensemble là. Ouais. Non, faut pas qu'il aille chez lui là. S'il va chez lui, je suis foutu. Oh non! Fou. Eh merde. Salvatore est chez lui à siroter un whisky. Ok. Putain, faut tout se retaper. Ok, bah cette fois-ci, on fait pas les cons. Le quartier rouge, j'attends que Salvatore sorte du club. Ok. Prends le boat. On va essayer de se caler quelque part. Comment a été votre journée? Moi, c'est tranquille, hein. Pas grand-chose de constructif à l'horizon, hélas. Hop. Surtout été prendre l'air et hop et jouer à l'eau avec les potes tout à l'heure. Yep. Hop, et demain je fais ma troisième dose. Et oui. Ok. Voilà, alors là, franchement, là, 10 sur 10 au permis bateau. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Oula, ouais. Un peu de mal là quand même. Ah si, je me suis un petit peu dépaissi les cheveux aussi. Ça se voit pas trop, j'ai renfait léger, mais. J'y vais un petit peu étape par étape. Bon, il me faut une voiture là. Ouais, ah oui, putain, il y a encore là. Non, ça va, monsieur Anderson, j'ai pas envie de me battre. Non, monsieur Smith, j'ai pas envie de me battre. Si je passe, mais genre de l'autre côté, ce sera plus safe. J'ai une petite montée de fièvre dans la nuit avec le vaccin, mais sur lui, ça t'est. Ouh là là, tu me fais peur. Mais. Hop. Ok, bah cool, si ça va mieux. Ça va, j'ai les Doliprane en stock. Salvatore, pardon. Ok. Non, mais c'est pas vrai! Putain, le pire timing, le camion là! Ah, j'ai trop le seum! Oh non, mais l'autre il me sort, mais ça va pas ou quoi? Putain, mais. Mais ta soeur! Putain, mais. Casse-toi! Aucun. Mais putain! Oh, je vais devenir fou! Alors.
Oh, c'est la loose là, c'est tellement la loose. Oh. Le moyen serait que j'arrive chez lui avant. Ah non, il est déjà chez lui, putain, c'est mort. C'est mort. Plus qu'à écraser des gens. Ah non, faut trop taper. Ah non mais ça, non mais putain le camion qui est passé au même moment là, ça me fout le seum. Ça me fout le seum. Vous l'avez déjà fait GTA 3 vous? Moi je l'ai fait mais du coup il y a très longtemps, mais ouais putain. Genre de mission dont on se souvient bien. Voilà, ça c'est fait. Au fond, le plan il était parfait quoi. Le plan était parfait. Mais j'ai peut-être un autre plan qui est pas mal. Attendez. Je ne l'ai pas fait, non. RT. Comment elle a volé? Non, il y a toujours les paroles touchées, j'étais accroché, gosse. Ah bah oui. On est où là? Oh. Garde-moi. Bon, on va attendre qu'ils sortent. Quoi, mon Dieu, je me suis fait repérer. Balol. Putain, j'ai pas. Putain. Non! Oh! Oh, ça va être. Oh, oh c'est tellement la merde! Oh, c'est tellement la merde! Non! Non, mais. Non, mais non, mais c'est pas possible! Non, mais c'est. Bonsoir, l'Armagnac! Oh non, c'est trop. Oh, c'est trop. Putain, mais quatrième fois qu'on est de retour, j'en ai marre. Ça veut rien dire qu'il me repère, putain, il me voit même pas, quoi. Putain, je suis dit, ah, je vais bien les pranker, je vais mettre le camion, ça va les bloquer. Ben non, ouais, connard, il a pris le camion, il essaie de t'écraser avec. Putain.
Enfin, j'ai sous-estimé l'IA d'un jeu PS2, quoi. Ah, c'est compliqué. Putain, le bateau est incontrôlable. Écoute, ça va tranquille et toi, Darmaniac? Oh putain. Mais non, je suis trop mal mis là, c'est insupportable aussi ça. Putain, première mission de la soirée, c'est déjà une catastrophe quoi. Putain, mais arrête de bouger! Mais quitte-le! Hop, merci. Oh là, le bordel. C'est bon. Alors, ça me gonflait cette histoire. J'ai retenté le coup du sniper, c'est le truc qui m'avait le plus réussi jusqu'à présent. Pardon, monsieur. Mais arrêtez! Tout le monde m'agrée dans cette ville! Vous êtes bien ouf! Ah non, mais la police là! La police là! Oh là là, putain! Super. Non, non. Allez, joue. Voilà, blabla, encore la cutscene. La stress. Manchot qui bourre les clips. Quoi? Mais de quoi? 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 Mais c'est sérieux là? De quoi ils me repèrent, les mecs, ils ont des... C'est n'importe quoi. Mais de quoi le mec il me sort? Il me sort pas du tout. C'est bon! C'est bon, là! Oh merde! Bon, on est mort, mais c'est pas grave. C'était que un léger contre-tension ou pas. Hop. Hop. Quand j'ai plus d'armes, ça c'est chiant. Casse-toi, toi. Hop. On va passer au gun shop. C'était totalement la bonne façon de faire la mission, hein, vous inquiétez pas. Pourquoi on se fait agresser tout le temps dans ce jeu? Y'a pas de bateau? Mais comment on fait? Comment on fait les amis, y'a pas de bateau? Tais-toi à la radio. Écoutez, je sais comment on va faire.
J'étais marqué Flying Vehicles. J'étais marqué Flying Vehicles. Ah putain. Un bateau, bordel! Donnez-moi un bateau! Donnez-moi un bateau! On a la banque, quoi. Oh, c'est l'enfer! Je sais pas si le pont il était réparé quoi, son truc. On va voir. On va tenter le pont. Putain. Je crois que le code a marché, mais je sais pas comment l'activer. Parce que la voiture, ouah, elle fait n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Quoi de... ok. Ah oui, ouais. Ah non, oui, peut-être. Ah, oui donc. Quoi? putain, les gens vont croire que j'ai exprès de jouer aussi mal, quoi. Vraiment, là, le jeu, il m'a perdu. Alors, ok, bon. Vas-y, pardon. Le pont est là-bas, ok. Par contre, je m'en fais un petit code pour les armes, par contre. Non, 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 mais arrêtez! Pourquoi tout le monde veut me taper, là? Ça suffit. Bon, t'en as marre, moi! On est tout gentil et tout, on se fait taper tout le temps, quoi. Oups. Pardon. Putain, mais regardez, ils sont encore là! Ah non, on dirait que le pont remarche, enfin, de retour. On va le prendre à contresens, parce que je suis un ouf. Hein. C'est bon. King Courtney voudrait te dire un mot à la cabine. Bonsoir T-Quick, comment vas-tu? Je viens de réussir une mission qui était assez... Putain merde. Gaz à tous les étages. Tu as 2 minutes 30, 2 minutes pour franchir les 20 points de passage. Le chrono démarre maintenant. Oh là, voilà, ça a l'air totalement indé, ça aussi. Oh merde, j'ai encore la police aux fesses. Putain. Putain, faut que je le fasse avec la police qui me suit. Là. Hop, tu vas bien T-Quick.
Ah bah bravo le point de passage. Mais putain, mais c'est débile. Voilà. Hop. Ok. Oui, bah oui, bah oui, il y a à peine le temps. Hein. Ah non, c'est bon, c'est quand tu... Ça s'accumule le temps, ok. Hop. Je les ai tous eus. Bah écoute, ça va tranquille, à part le jeu qui rend déjà fou, mais ça, on a l'habitude. Attends, il y en a un, il faut faire un saut là. Voilà, ça va être spécial, ça aussi. Hein. Oui! Yes, first try, ça c'est beau. La personne juste en dessous. Ils ont trop le chic pour tout le temps se jeter sous les véhicules. On va réparer la caisse, allez. C'est moi qui offre. Nouveau moteur, nouvelle peinture, les réflecteurs reconnaîtront jamais. Hop là. Merde, on a besoin de là. Youp. Bah écoute, ouais, ça va. Ok, let's go. Ouah, mais encore, ça suffit! Tout le temps la violence, jamais l'amour. Un truc de ouf. Bref, du coup, on vient d'assassiner donc le chef de la mafia qui avait tenté de nous baser. Donc maintenant, faut qu'on retourne voir notre super meilleur pote. Pour dire qu'on a bien fait notre boulot. Salvatore's death comes as pleasurable news. You're an efficient killer. I like that in a man. Ah, this is my brother, Kenji. Asuka has a little job for you. But when you're done, drop by my casino and we can talk. Just like Kenji, always trying to play with my toys. My police source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. Okay, let's go. Okay, il faut suivre la ligne jaune. Quand on est en time attack. J'en profitais parce que la dernière fois que j'avais pas regardé. Je regardais si on a si y a eu des strikes sur l'épisode d'avant. Ça prend 2 secondes, ne vous inquiétez pas. Hop, je vais juste regarder là. Et bah écoutez, ça semble bon, hein. Donc on va essayer de refaire que la dernière fois, mettre un petit peu de musique, mais pas trop. Ouais. J'arrive pas, attends. Peut-être que si je me mets là. Ah
Parfait. Non, la police. Merde. Ah non, il va m'arrêter si je le bute pas. Ah non, je suis trop con. J'en ai marre. J'en ai marre. Il est quand même un peu plus vieilli que Sandra hein, sur certains trucs, genre à moi. Parce qu'il y a des trucs qu'il pardonne pas, quoi. Mais de quoi? De quoi l'embrouille là? Hop. Il est forcément là. Il est forcément là où je tire, bordel. C'est pas vrai. Putain, mais. Mais c'est moi, mais c'est moi. Hop, merci, ok. Tac. Putain, je suis en limité en plus là. Ah, c'est bon, j'ai les deux. Hop. Ok, go, 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 go. Go, go, gadgetto. Ah, manchot, il se régale, là, bordel. Hop. Hop. Non! Ne m'attaque, ne m'attaque, ne m'attaque. Casse-toi, casse-toi, je veux pas le savoir. Hop, merci. Le best-of, il y a déjà la moitié du best-of, c'est merveilleux. Il y a de quoi, j'avoue, franchement. Franchement, on se régale. Allez, hop. Les enfoirés. Ok, ok, ok. Bon, normalement, hop. On connaît la méthode. Voilà, parfait. Tac, allez, hop. Ils explosent tellement vite les véhicules en celui-là. Sur où c'est con? Ils sont sur le toit? Ils sont peut-être sur les balcons peut-être. Ah ouais c'est ça. Oh c'est un bordel. Ah oh, mais c'est un bordel du coup. Alors attends, peut-être que je monte là-haut. Attends. Parfait. Mais bon. Hop. Ça va, la police n'est pas non plus ultra inquiète d'un mec qui tire en lance-roquette sur, sur un bâtiment. Oh. Non, j'avais bien l'autre voiture. Bon, c'est pas grave, c'est là dans le doute. Ah, devant la police, parfait. Mais non, mais vous m'avez pas vu, il n'y a aucune preuve. Qui peut le dire que j'ai volé? Qui peut m'accuser délibérément? Hop, hop. Non mais arrêtez de me bousculer comme ça. Allons nous réfugier, c'est notre ami propriétaire d'un casino. Hop. Oh, c'est... My sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that a Gaijin can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. Oh, pardon. A Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point.
Vol une bagnole de flic. Ah ouais, tout ça. Ah bah attends. Ouais, mais pourquoi le. Pourquoi ils ont. Pourquoi le. C'est cassé là. Ah non, c'est ceux qui me poursuivaient! Pouah! Ah mais c'était gratuit en fait. Ceux qui me poursuivaient, ils ont lâché leur bagnole ici. C'était une strat. C'était une strat de speedrun en fait, les gars. Ouais, voilà. De toute façon, tout ce que je fais est optimisé à chaque fois. Hop. Ok, faut que j'aille la faire piéger du coup. Ah, il y a un autre truc de. Dans la ville, il y a un autre truc pour faire piéger ces véhicules. Ok. Alors, faut que j'aille genre là, dedans. Ok. Maintenant au poste de police. Ah bah dis donc. Ah, y a pas l'autoradio sur le. La voiture de police. Appel à toutes les patrouilles. Pardon. Oups. Ouais, mais encore. Ah, c'est pas ici. Là, c'est là. Comment on rentre là-bas? Ah, c'est là. Ah oh, putain, fort de l'autre côté. Cool, le truc qui traîne là. Chelou. Putain, fort. On va prendre l'escalier. Hop là, pardon. Bah non, c'est où on était tout à l'heure. Attends, ah, faut peut-être. Peut-être ici, ouais. Ah oui, c'est ça. Hop. Bye. Ton honneur est lié à celui de Konbu Yakuza, tu dois le protéger. Hein? Que? Okay. Ah, faut que je rentre dedans, ah oui, je suis con. Allez, suis-moi, mon gars. Hop. Ouais! Mais t'en se fait la balle. Ouvre-toi! Ça s'ouvre pas! Sortir par là peut-être. Non, oh, putain, comment on fait? On va peut-être casser la barrière avec ça peut-être. Ouais. Monte, 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 monte. Oui. Non, non, non. Oui, merci. Cassez-vous. Il y a des échos et tout, c'est là. Oh, c'est le bordel. Mais pourquoi tout à l'heure ça marchait pas? Pardon! Allô derrière en train de chiller au calme. Il n'y a plus de portière, il est en mode ouais, bah tranquille, écoute, mène-moi à boire un café s'il te plaît. Hop, oh putain, oh, pardon.
Putain, il parle pas en plus. Wow. Bah. Ouf. On a bien pranké lui. Oh là, non. Cassez-vous. Cassez-vous. Attends, est-ce que... Il est en train de me dire que si je repeins un camion de police, ils arrêtent de me suivre. Non mais cassez-vous en fait. Barre-toi. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Allez. Je ne touche rien aussi. Oh non! Non! Putain, il veut pas repeindre le véhicule. Attendez, 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 attendez. Vas-y, viens. Viens, mon ami. Non, il est où? Non, il est où? Mon ami? Mais monte! Mais il est où? Ah, il est là-bas. Mais monte, tête de con. Non! On a failli se faire arrêter. Hop. Ok, c'est bon, c'est bon. Voilà. Ah putain, ça ne veut rien dire. Et voilà, ils me reconnaissent plus, dis donc, où est-ce qu'ils ont pu passer, on se demande. C'est quand même chelou, hein. Connu. Pardon, pardon, pas du tout suspect. Hop. Salut mon pote. Salut mon pote. Hop, retourne en voir Asuka pour changer. Hop. Ouais. Le chauffard, bordel. Le danger public. C'est bon. Bonjour. Purge de paparazzi. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Ok. Saute dans un bateau et puis on le commande. Ok. Hop là. Bon, c'est Bart. Ah, j'ai oublié de remettre ma cam. C'est bon, je suis là, vous inquiétez pas. Plouf, 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 plouf. Il n'y a pas de radio, ça rentrait d'Auster. Il me trace, je peux rien faire. Profitez des bruits de la mer, des mouettes, de l'eau qui claque contre les rochers. Profitez de cette odeur, cet air marin et salé qui remonte dans vos narines.
Mais il est trop rapide, au secours! Ah, oh, ouais, tout ça. Ah, ouais, ils sont enfuis, hein, ben, bravo. Monsieur s'est fait la malle. Je suis pas assez bien pour monsieur. Non, ah non, fait que je prenne celui de la police. Ah oui, je suis couillon. Vraiment que des bêtises ce soir. Vraiment, je suis pas du tout concentré. C'est lamentable. Ok, ouais, j'ai pas vu la flèche bleue là. Attends, elle est assez discrète. Enfin, en vrai, attendez, hop. Vas-y, on peut optimiser, on peut optimiser, on peut optimiser, y a pas de raison. Hop. Il a un peu tiré, d'accord. Ah, effectivement, là, on le remonte, là, ça c'est cool. Le bateau qui survit en lance-roquette quoi. Alors que t'as des camions qui survivent pas à deux tirs de pistolet quoi. La logique du jeu quoi. Voilà, bye bye. Son dans vos oreilles. Ouah! Incroyable. Appeler sur la calache. Je fais trop rire comment il court. Hop. Et un jour le paye. It's my handsome handyman. Maria's all tied up at the moment, but I'll tell her you called. It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. On va rencontrer l'homme de l'ombre. Hop. Vous faites quoi de beau à pas me regarder galérer sur GTA? Ouah! Hop! Ça, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai moins de choses à raconter dessus que Sandras. Hein. Je m'en souviens quand même beaucoup moins que Sandras globalement. Hop! Ouais, puis ouais, bah, puis globalement c'est un jeu qui est quand même, enfin qui a quand même pris plus un coup de vieux, hein, parce que genre du coup il y a pas le, t'as pas tout le temps un PNJ qui t'accompagne, qui te raconte sa vie et tout, ce qui est bien plus le cas dans Sandras, hein, y a toujours quelqu'un avec nous pour nous raconter sa life et tout, et bien plus de dialogue, bien plus d'écriture, bien plus de missions rigolotes quoi. Hop, là c'est quand même assez sérieux globalement. Hop. Ça fait dodo le bébou? Ouais, écoute, profite bien. Fais un bon dodo.
Pendant qu'on a encore la police aux fesses. J'ai un TP de mort demain à 8h qui ont été rajoutés quelques heures. Pouah! L'enfer. Le truc qui rend content, quoi. La semaine qui reprend sur les meilleurs. De la meilleure façon. Hop! Il est relou. Puis le fait que notre protagoniste parle pas du tout, c'est quand même. C'est quand même beaucoup moins la hype que CJ, quoi, aussi. Pour ça, vraiment, San Andreas, ça a vraiment été la confirmation de GTA 3. Hein. Pour moi, San Andreas, c'est bien plus culte que GTA 3. Hein. Même si GTA 3 apportait beaucoup de choses, San Andreas, c'était vraiment le. C'est la version XXL qui a tout fait, quoi. Hop. Oup. Ouah. Putain, quelle mission insupportable. Hop. Ah, j'ai même pas eu celui time attack en plus. Pardon, excusez-moi. J'ai pas le temps, pas le temps, pas le temps, je suis en retard. Ah pardon, monsieur le policier. Hop. Non. Il a fait, ah bon, je veux pas le taper le téléphone, ça c'est pas. Mais casse-toi, toi. Be Azuka's new errand boy. You got the money. Is it all here? I know what you're thinking. Another bed cop. Well, it's a bad world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer. But I'm gonna need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. Okay. Ouais, maintenant on a 3 points de mission, c'est incroyable ce qui se passe. Allons-y, hop. That scumbag McCaffrey! He took more bribes than anyone. He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns state evidence. He just squealed. He's under armed protection in which that crappy down in Newport. Some apartment behind a car park. Torch that place. That's it. Flush your mouth and you'll put them down. Make sure he never. Ouais, une des grades. Dans l'appartement du programme de protection des témoins. Ok. Oup. Hop. C'est du problème de divergence, monsieur. Effectivement. De toute façon, ils ont tous une sale tête. Hein. Pareil, quand même, Sandras aussi avait quand même amélioré le design des persos. Parce que là, ils ont vraiment trop des têtes de cartoon, quoi. C'est compliqué. Hop.
Tu vois, dans San Andreas aussi, il y a des intérieurs, quoi. T'as des missions en intérieur et tout, alors que là, à peu près tous en extérieur la plupart du temps. À part peut-être là, on ne sait pas, peut-être. Non. Faut faire quoi? Faut balancer un truc là-dessus? Ah, faut pas genre balancer sur sa fenêtre. Ah ouais, putain. Oh la vache. Oh, Avec pas du tout suspect, quoi. Oh, c'était... Non, il y a la police, putain. Ok, c'est trop près. Ah, c'est bon. Ouais. Pardon. Non. Il va se barrer, il va tellement se barrer. Ah bah oui, normal. Mais ouais, j'ai pas prévu qu'il fallait le pourchasser après, moi. Excusez. Oh non, mais pas déjà la police. On va essayer de faire une petite strat. Ok, ça on a capté. Je pense qu'il faudrait. Il serait l'empêcher de se barrer très loin quand il est là. Bon, ça, rien de mieux qu'une petite voiture pour bloquer le passage. Parfait. Ensuite, on refait ce truc-là. Non, putain. Zut, mon plan était si parfait. Ah, attendez, mais peut-être que mon plan va être amélioré. Non, j'ai rien dit. Est-ce qu'il y a un problème de système propriété à... Non, celui-là, non, tu peux pas acheter de baraque ou quoi. Hein. T'as juste une planque dans chaque ville pour sauvegarder, mais t'as pas de... Tu peux pas acheter de maison, vraiment, c'est... GTA 3, c'est vraiment juste une grande ville ouverte avec des véhicules et des missions avec des flingues, quoi. Ça va vraiment pas plus loin que ça, parce que c'était déjà une grosse révolution à son époque, mais du coup, c'est vraiment GTA San Andreas qui a vraiment apporté toutes les petites subtilités et tout, quoi. C'est devenu le jeu de la vie, quoi, San Andreas. C'était le jeu de la vraie vie. Ouais. On a réussi, oui. On a réussi. C'est beau. Hop. Séparation des morts, ça arrive tous les jours. Hop. C'est pas la mort qui va nous arrêter, les amis. Hop. Voilà, parfait. Ah, c'est ça, c'est vraiment... C'est un peu l'austérité après San Andreas. Hein. Tout là, t'as moins une grande zone ouverte, t'as moins les plaines sauvages, t'as moins... Enfin, t'as tout en moins, quoi. Les hôpitaux sont super efficaces pour nous ramener la vie comme ça. Là, ils sont très forts. Très très forts.
Regardez comment les PNJ kiffent trop essayer de se jeter sous les voitures à chaque fois là. Quand tu passes à côté d'eux, parfois ils ont des réactions trop bizarres. Regardez, ils ont des réactions trop bizarres des fois, ils sont en mode ah vite! On plonge en secours! Attendons voir Asuka, elle est dans le pif. Du coup, j'ai pas trop capté si elle avait une romance avec la fille de Salvador, Asuka, ou c'est juste des sous-entendus. Hop. Tac. Ça me rappelle la sirène dans Ambulance Simulator. Poussez-vous plus. Je suis un véhicule prioritaire. Hop. Marie et moi avons gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Let's go. C'est parti pour un petit assassinat à l'ancienne. Hop. Voilà, vous voyez, les missions, ça reste comme si très très souvent, trouve un mec, bute-le. Ça va vraiment plus loin que ça, quoi. Ce qui était pour un premier jeu était quand même bien cool, mais après, c'est vrai que Sandras, c'est quand même plein de missions bien plus rigolotes. En vélo, en avion, en bateau, enfin, plein de trucs de ouf, quoi. Poursuivre un train, faire un concours de tuning, faire des courses, enfin, plein de trucs comme ça, quoi. Hop. Faire un braquage. Voler un jetpack dans une base militaire. Enfin bref. Hop. Sa voiture elle fume déjà, c'est trop bizarre. Adieu. L'avion de Sandra, c'était de bons souvenirs, effectivement. Ça avait le mérite d'être varié, même si c'était pas très jouable. Ouais, globalement, j'étais à Sandra, ça a une ambiance bien plus MDR. Parce que le reste, quand même, assez sérieux, globalement. Ah bah, voilà. Ah, incroyable ce titre de mission. It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I've never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is motor cars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the card as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list. And deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. Rappelle-toi que les voitures doivent être parfaitement en regard. Ok, merde. Ouais, en gros, elles doivent pas être comme ça, quoi. Bon, du coup, là, c'est le titre du jeu, là. Il faut voler des voitures, là. Qu'on ne fait quasiment jamais dans tous les autres jeux. Hop. Donc, GTA 5 commence avec. Je sais pas comment il s'appelle le perso. Un des trois persos, tu commences une mission si tu dois voler une voiture. Hop. C'est Michael, Trevor et... Ah, je sais plus comment il s'appelle, héros du 5. Le dernier. Michael, Trevor... Ouais.
Ah, l'église. L'église qui revient dans, à peu près comme ça dans GTA 4. Parce que GTA 4 se passe à Liberty City. Et globalement, ça reprend la ville du 3, mais en bien plus énervé, bien sûr. GTA 4. C'est vrai que GTA 4 aussi, les gens étaient pas mal déçus parce qu'ils avaient enlevé pas mal l'aspect urbain. Enfin, l'aspect. Les paysages naturels et tout. Hein. GTA 4, c'est un jeu très, 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 très urbain. Putain, faut que je me dépêche. En même temps, faut pas que je nique les voitures, quoi. C'est compliqué. Ah, quoi, oh, ça va, il y a le réparateur juste à côté, donc en vrai, c'est peinard. Ouais. Il va abîmer ma caisse à faire ça, il est fou. Voilà pour qu'on va chercher notre voiture. Un grand vol de voiture. Hop. Moi, je remonte un petit peu la carte. Ouh, wap, wap, oula, oh le bordel, ouah, calmez-vous. C'est vrai que moi j'irais pas non à me le refaire aussi le 4. Aussi, wow. Mais, wow, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une voiture qui a explosé au pif comme ça? C'est bizarre quand même. Regardez, vous avez vu comment elle s'est jetée sur la voiture? Ça veut rien dire. Très belle conduite, bah oui, mon ami. Qu'est-ce que tu crois? Hop. Ok. Le stade là. J'ai vite fait jouer à Chinatown Wars sur Nintendo DS, qui était vraiment très très sympa. Bisous le bébou. Fais de beaux rêves et bon courage pour ta semaine qui semble assez galère. Non, putain. Putain, je nique la voiture au dernier moment, moi. Ça va, ils ont pas été méchants, ils ont mis le... Putain. Ils ont mis le réparateur juste à côté. C'est bon. On va continuer. Oh putain, moins de 2 minutes, ça va être compliqué. Ça commence à être vraiment chaud. Et puis ouais, aussi, les motos, avant San Andreas, c'était trop le feu, quoi. Je crois pas qu'il y en ait dans Vice City des motos. GPS bourré encore. On va faire. On fait du hors-piste, nous on s'en fout, mon gars. Hop. Je disais donc, on fait du hors-piste, on s'en fout. Oh merde. Je sais pas si j'aurai le temps là. Ça va être short, les gars. Ça va être totalement short. Vite la voiture, elle est là, putain! Putain! C'est pas grave. On va la réparer là-bas. Putain, on est tellement pas loin en plus. Ah. Ça peut se faire, hein. Faut juste qu'on fasse bien gaffe. Putain, faut faire le tour, c'est un jeu portable! Non! Oh, ça va pas le faire! Oh, ça va jamais le faire. T'es perdu, c'est la loose. Ah putain, en plus je l'ai claqué en sortant, putain. Putain de con.
On est parti pour un dessous, insupportable. Je vous grouille, moi. Pas le temps de traîner là. Pas le temps de niaiser. Qu'est-ce qui se passe? Ouah! Ça, c'est n'importe quoi, bordel. Ok, on va commencer par la dernière du coup. Putain, oh, les véhicules, j'en joue, j'en veux plus. Là. Ah non, c'est pas celle-là, regardez. Hop. Ok, merci. Tac. Merde, putain, non! Je fais des conneries. Hop, ouah, ouah. vraiment la théorie du chaos, ce jeu. Vraiment, tu fais un. Tu veux un peu trop à gauche, t'écrases trois mecs, tu boules de voiture. Hop. Plus ouais, les gars, ils sont vraiment tout petits quoi aussi. Hop. Enfin, proportionnellement à la vraie vie, c'est des bons garages, mais par rapport à la conduite du jeu, c'est vraiment, tu peux trop te bouffer facilement les murs. Surtout que il faut bien que tu sois bien à l'intérieur, celui que le jeu prenne en compte le fait que tu puisses sortir. Ah oui, c'est ça, tirez partout, faites ce que vous voulez, moi j'en fous. Pas votre temps les gars, moi. Quoi? Oh bordel. On y est, ok. Non, putain, c'est pas vrai. Pourquoi il tire comme ça là? C'est trop bizarre aussi ça. Je sais pas si c'est un du remaster avec l'IA qui est un peu bizarre ou si c'était comme ça dans le jeu de base quoi. Ok, allez, grouille, 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 grouille! Putain, c'est chaud! C'est tellement chaud! Ah, ça va, le dernier juste là-bas, ouais, ça va. Casse-toi. Casse-toi. Cassez-vous, merci, j'ai pas le temps, hop. Vite. Vite, 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 vite. Ah, trouvez cette musique. Ouh.
Oui, c'est bon. Ouf. Faut l'enfer. L'enfer, les gars, l'enfer. Hop. C'est un GG, les gars, c'est un GG, hein. Honnêtement, c'est un GG. Hop là. Non, ça a mis mon truc de jingle au milieu. Lol. Hop. C'est pas censé le faire, donc c'est n'importe quoi. Ah ouais, putain, vous aviez un problème depuis tout à l'heure. À cause du. C'est relou. Je pense que depuis tout à l'heure, ça faisait. Ouais, c'est ça, le jeu est en.